sortir de sa bulle, partager. C'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Bonjour à tous, bienvenue sur Éthique TV. On vous refait une nouvelle vidéo sur le tournage de notre film long métrage Tous résistants dans l'âme, aux côtés du docteur Louis Fouché. Et là, on vous fait une vidéo pour vous montrer l'équipe au complet, puisqu'on a eu dans les précédentes vidéos des petits commentaires. Mais comment Anaïs fait-elle pour faire à la fois l'image, le son? Eh bien là, Anaïs, tu as composé une équipe. Avec Nils. Avec Nils. Bonjour. Alors Nils, soit tu es en charge de... Du son. Du son, voilà. On va équiper. Très bien, bravo. Et on a aussi avec nous Clélia qui nous a Bonjour. Rejoint. Pour la photographie de plateau. Très bien. Voilà. Alors c'était sympa cette petite... J'ai rencontré des belles personnes, j'ai vu de belles lumières, beaux paysages. T'as pas arrêté de shooter, on va voir des super là, photos de tournage. Ouais. Il y aura du boulot. Ça va être magnifique, ok. Et puis bah, donc avec Louis. Alors Louis, comment ça s'est passé Bien, grâce ce à toi, week-end, grâce à tout le monde qui est là, et puis grâce à vous tous qui avez permis que ce soit possible. Donc on continue d'avancer avec des rencontres, on espère inspirantes pour vous tous. Aujourd'hui on est dans les Pyrénées avec un paysan qui sait tout faire. Et ça donne plein d'idées parce que vraiment il sait tout faire. Il a 50 000 cordes à son arc et je crois que le paysan moderne, parmi ceux qui nous regarderont, qui voudront partir des villes, il y a pas mal d'inspiration à prendre ici. Voilà. C'est une vraie belle rencontre. On ne révélera pas les intervenants de notre film, mais on vous fera comme ça régulièrement des vidéos pour vous présenter un petit peu nos ressentis sur le terrain, pour vous emmener en coulisses et puis vraiment pour vous remercier mille fois. Vous êtes pratiquement 2000 personnes à soutenir le film. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on fait ce film. C'est pour vous. On ne veut vraiment pas vous décevoir. Donc, on y met tout notre cœur, toute notre énergie et à très bientôt. Au revoir. Ciao.